Salut les gens, c'est MB, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la sortie de Super Mario 3D World, mais surtout la sortie de Bowser's Fury. C'est une grosse extension, voilà, qui est ajoutée à Super Mario 3D World. Alors, des sons de cloche que j'ai eu selon Nintendo et selon Internet, il n'y a pas le même temps de jeu que ce qu'on m'a dit. Donc, on est parti, on verra bien. C'est une histoire totalement différente de Super Mario 3D World. Vous allez le voir, d'ailleurs il y aura le lien pour commander le jeu, puisque c'est les deux jeux dans la même cartouche, dans la description. Pareil sur le stream, puisqu'on enregistre toujours en stream, point d'exclamation Mario, si jamais vous voulez le commander. Et on est parti pour un let's play, comme d'habitude, le premier épisode sur la chaîne principale, et le reste du let's play sur la chaîne secondaire OMB TV, avec le lien dans la description, et dans le commentaire épinglé, comme d'hab. Allez, on est parti. Allez, let's go! Mario Bros. Ça fait partie des choses que j'ai pas hâte de vous montrer, toute cette première séquence avec la grosse patte de Bowser là. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement on est davantage sur une espèce d'ambiance à la... Je vais mettre là. Une espèce d'ambiance à la Mario Odyssey en fait. Qui a une ambiance de Super Mario 3D World en fait. On retrouve beaucoup et on retrouvera beaucoup, beaucoup, beaucoup de Mario Odyssey dedans. D'ailleurs, vous remarquerez que tout est en forme de chat. Les arbres sont en forme de chat, les pattes sont en forme de chat, les buissons sont en forme de chat, le sol est en poil de chat. Tout est fait pour rappeler le petit chat, tout simplement. Et bien évidemment, toujours encore une fois, l'exploration qui est grandement, grandement récompensée dans ce Mario-là. Alors moi j'ai déjà fait la première heure, encore une fois, puisque j'avais été invité chez Nintendo pour le tester. Donc on va pouvoir, je connais un petit peu tout ça, et on va pouvoir un petit peu se faire plaisir pour ce petit let's play et la première apparition. Regardez-moi cette beauté. Et possibilité d'avoir le mode photo. Ça, c'est quelque chose qui a été ajouté. Et ça, c'est pratique. Voilà, on commence tout de suite. Hein. Tant qu'à faire avec les nouveautés de tout ça. Mode photo dans Mario, certains n'en voient pas l'intérêt. Personnellement, j'adore cet effet de pluie. Avec cet effet de photo, vous pouvez gérer les couleurs. Vous pouvez gérer plein de choses. Et pour moi, ça rajoute vraiment un truc au jeu. Voilà. Allez, hop. Attends, je vais récupérer la pièce quand même. Avec cette musique qui s'emballe quand Bowser arrive. Est-ce que j'avais des pièces là ou pas? Je sais plus. Là, ok, il y en a là. J'ai pas eu. Hop là, merci. Et là, ça va cracher. Attention, hop là. Regardez-moi ce truc gigantesque. Le gros papa. Attends, je vais récupérer ça. Allez. Alors le but, récupérer des emblèmes de chat pour pouvoir allumer des phares, pour pouvoir alimenter des grosses cloches et pour pouvoir se changer en Mario Super Saiyan pour aller frapper Bowser. Petite information concernant Bowser, du coup, vous n'allez pas le battre du premier coup. En fait, c'est petit à petit. Et chaque fois que vous allez allumer un phare, ça va lui enlever un petit bout de vie. Et après, quand vous allez prendre la cloche, vous allez aller le taper. Mais ça se fait petit à petit. Et encore une fois, c'est une expérience insulaire. C'est-à-dire que vous allez avoir plein d'îles différentes dans un grand monde ouvert qui vont se débloquer petit à petit avec les emblèmes que vous allez récupérer. Vous voyez que là, on a débloqué toute la première zone. Et en fait, tout ce que vous voyez en noir, en ancré, c'est ce que vous allez débloquer au fur et à mesure avec ce que vous allez récupérer dans le monde. C'est-à-dire que tout ça, là, par exemple, eh bien, ça va se dévoiler. Vous voyez que là-bas, regardez, à l'horizon, il y a des petites îles. Tout ça va se dévoiler au fur et à mesure. C'est un petit peu comme un brouillard de guerre, mais version encre, version Mario, tout simplement. Donc,
Nous, on va explorer un peu, parce qu'on est là pour ça. Donc tout ça, on l'avait vu. On va bien sûr aller là-dedans. Hop! Et le jeu est super beau. Et cette musique va vous... ne va jamais s'arrêter de résonner dans votre crâne. Soyons francs. Allez. Ah oui, quelque chose que je voulais vous montrer aussi. L'animation de Mario qui gonfle les joues quand il nage. Je trouve ça magnifique, regardez. Donc là, il est normal et regardez. La petite animation faciale. Je trouve ça trop mignon. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Et nous allons rencontrer pour la première fois Bowser Jr. A savoir que vous pouvez jouer jusqu'à 4 en ligne à Super Mario 3D World, donc l'autre jeu inclus sur la cartouche, tandis que celui-ci, Bowser's Fury, vous ne pouvez y jouer qu'à 2, enfin vous pouvez y jouer à 2, mais en local. Voilà, comme ça au moins on en est bon. Donc, Papa Bowser s'est fait transformer. Bowser Jr. a l'air d'avoir un problème. Mario, mon pauvre papounet, est totalement incontrôlable. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Enfin, une petite capture, non. J'ai essayé de l'aider, mais il est devenu trop grand et totalement fou. Oui, vous pouvez jouer en local aussi sur l'autre. Tout seul, je vais pas pouvoir faire retrouver mon papounet son état normal. Bien sûr. J'aurais jamais imaginé devoir un jour te demander ton aide. Bien sûr, vous pouvez jouer à deux sur la même console avec les Joy-Con. Tu donnes un Joy-Con à quelqu'un, de toute façon vous allez le voir, ça va être expliqué, et vous pouvez jouer à deux. Je ferai n'importe quoi pour sauver mon papounet, s'il te plaît, Mario, aide-moi. On n'a pas l'habitude de voir son aide en général. Donc on est parti pour un let's play intégral, bien sûr, de ce Mario 3D World Bowser's Fury. Je pense pas qu'on fera Super Mario 3D World en entier, en let's play, on le fera peut-être sur le stream. Mais le plus important pour moi, c'était vraiment Bowser's Fury, qui est vraiment la grosse nouveauté et qui m'intéresse le plus. Allez, donc là, on peut choisir comment il va nous aider. Alors, on va le mettre un petit peu, pas beaucoup, sachant que Bowser Jr. va permettre plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, avec son pinceau, il va taper les ennemis. Dans un deuxième temps, il va pouvoir faire découvrir des choses cachées avec son pinceau, etc., etc. Donc, on va le mettre un petit peu, ça devrait suffire, et donc vous verrez. Et pour la durée de vie, je ne sais pas, parce que Nintendo m'a dit quelque chose, j'ai lu d'autres choses, donc on verra. On verra, et quand nous l'aurons fini, je sortirai un test complet. Voilà, comme d'habitude. D'abord, on fait le jeu, après on sort les tests complets. Parce qu'on les connaît, hein, les gens sur YouTube qui font des tests complets en regardant les trailers. Et bah, c'est pas le cas de la chaîne. Voilà. Ici, on fait les jeux, on fait une découverte, puis on fait le jeu intégralement en stream, puis on fait un test complet. Voilà. Ça, c'est important. Non, on les connaît. Allez. Sachant que dans Mario 3D World, un move a été rajouté. Vous savez la petite chute de Mario qui avait été implémentée dans Super Mario Odyssey, comme ça, là, le petit plongeon, a été rajouté dans Super Mario 3D World pour vous rajouter un move en plus. Donc, voilà, ça y est, on est dans le petit monde. Vous voyez qu'il y a pas mal de petites îles. Où on a, un petit peu comme Mario 64, en fait, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Vraiment des emblèmes de chats à récupérer partout. Et c'est vraiment comme Mario 64, genre, vraiment, il y a vraiment des choses planquées partout. Allez, j'ai récupéré ça. On va remonter par là, attends, je crois qu'il y avait un... L'exploration qui est toujours récompensée dans ce Mario, évidemment. Hop là. Je trouve tellement mignon. Mais en fait, on retrouve, je trouve personnellement, je trouve qu'on retrouve beaucoup plus de Mario Odyssey que de Mario 3D World dans celui-ci. À part le chat, bien sûr, et tout ça. Mais c'est vraiment mon impression. Donc, vous voyez l'aide qu'il vous apporte. D'ici la caméra, vous pouvez la gérer comme vous voulez. Mais ça vous suit, en fait. Si vous voulez, la caméra, elle vous suit un petit peu. Mais après, vous pouvez la gérer vous-même en plus. On va grimper.
chanter au bien d'ailleurs. Hop. Ah, les petits chatons qui sont là. Allez hop. Et quand vous avez 100 pièces, ça vous donne un objet en plus. Sachant que en bas de l'écran, comme vous le voyez, vous avez des objets qui s'accumulent dans votre barre en bas à gauche. Ces objets, vous pouvez en avoir 5 de chaque. Donc c'est assez sympa. Attends, on va faire ça d'abord. C'est 5 objets de chaque. Histoire que vous le sachiez. Voilà. Ça, ça s'ouvrira plus tard quand Bowser va cracher. Hop là, merci bien. Tiens, voilà, regardez. Vous voyez ça, le petit truc là, ici, Bowser Junior peut y aller, en fait. Alors, je sais plus quelle touche c'était. Attends, non, c'est pas ça que je voulais faire. Quelle touche c'était déjà? Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. 14. Voilà, R, tout simplement. Hop. Et là, vous voyez qu'il y a la pluie qui vient de se déclencher. Donc, ça veut dire que Bowser va bientôt nous rejoindre. Pour nous faire des misères. Ah putain, c'est pas ça que je voulais faire. Désolé, je te sais, je t'ai sauté sur la tête, je suis désolé. Vas-y. Vas-y. Oui, je sais. Et voilà, ça y est, c'est parti. Alors, pour la coopération, le joueur 2 avec Bowser Jr. est lié au premier joueur. C'est pas du tout un écran qui va se scinder. Très bonne question. C'est un écran qui va... le deuxième joueur, le joueur 2, est vraiment rattaché à Mario. Attends, d'ailleurs, il y a les petits chats qui se sont transformés, regardez. Et qui commencent à nous attaquer. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais... Attends. Ah, punaise, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Attends. Parce qu'en fait, je voudrais... Ah si, c'est bon, je l'ai. Ok. Je l'avais fait. Alors, on va aller chercher tout de suite à ce moment-là les trucs. Attendez. Ah, je peux pas là. Il faudra que. Punaise. Ok. Ok, on est bon. Allez. Et il y a un moment où il va nous cracher dessus aussi. On va faire attention. C'est un peu comme Pokémon, exactement. C'est un peu ça. C'est-à-dire que il va vraiment falloir que le deuxième joueur reste attaché. Alors par contre, il est où? Cette musique qui s'emballe, je la trouve incroyable. Allez, là c'est parti, il crash. Ah non, il a pas fait. Et n'hésitez pas, hein, vous avez le lien si vous voulez le commander, on est dans la chaîne, dans les commentaires. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Merci à ceux qui passeront par là. Donc, on refait le tour, on est bon. Allez, on remonte. Du coup, j'ai perdu de la vie bêtement. Alors là, par contre, faut que j'aille vite. Allez, go, parti. Ouh. Hop là. Hop là, merci bien. Et donc n'oubliez pas, si jamais vous pouvez regarder le let's play, encore une fois, ça se passe sur la chaîne secondaire aussi pour les prochains épisodes. Hein. Comme d'hab. Hop là! Astrophène a gagné. Allumage de la lumière du phare! Alors on va grimper. Il va nous donner un petit conseil. Tiens. Hop! Je sais pas du tout comment on va faire pour la durée des épisodes, on verra. Ce phare voudra apporter son éclairage sur un sujet. Cette matière noire et visqueuse disparaît quand elle est exposée aux rayons lumineux des astres félins. Certains astres félins préfèrent ne pas se montrer au grand jour. Si vous avez du mal à en trouver un, allez donc tenter votre chance sur une autre île. En gros, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez des petits emblèmes de chat qui n'apparaissent que lorsqu'il fait nuit avec Bowser. Vous savez, que l'espèce de séquence que vous avez vue là. Et ben voilà, comme ça au moins, vous le savez. Hop là. Hop là, on se laisse tomber. Paf.
Donc il nous en faut 5 pour éveiller la grande cloche. On a récupéré tous ceux qu'on voulait ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ceux qui sont là-bas. Il y a des trucs super sympas, vous allez voir. Waouh, ça c'est giga cloche, je reviens un dicton sur les cloches. Bon si, il faut absolument que dans cet épisode, on voit Mario en mode Super Saiyan. Obligatoire. Allez. Mais là, il y a des trucs tellement cool. C'est là où vous allez reconnaître un petit peu les espèces de trucs de Mario 64 avec des petits... comment ça s'appelle? Des petites énigmes. Par exemple, à chaque fois qu'on saute, là, par exemple, la plateforme, elle va bouger. Hop! Attends, par contre, je me suis planté. Voilà. Merci. Ok, ça c'est fait. On en a une ici. Attends, il y a un. Ok, on en a une. Hop là. Puis là, il m'a envoyé la scène. Ok. Parfait. Bon. Allez, c'est parti. Et là, le but, c'est de les faire tomber. Allez, vas-y. Vas-y là. Hop là. Merci bien. Ça c'est fait. Allez, viens. Attends. Ok. Hop là, merci. Merci. Allez, viens, mon cochon. Paf! Salut! Il en reste plus? On est bon. Voilà, c'est vraiment des petits trucs pour trouver les emblèmes de chat, un petit peu comme les étoiles à l'époque, et ça, c'est vraiment chouette. Bon, là, par exemple, on a suffisamment d'emblèmes de chat pour aller chercher, la grande cloche. Mais on va en récupérer d'autres, parce qu'on en aura toujours besoin de plus, en fait. Alors oui, hein, c'est un Mario, hein, c'est pas difficile. Il y a des choses plus compliquées que d'autres, comme en fait Mario Odyssey. Hein, si jamais vous vous satisfaites du jeu classique, évidemment que ça va vite. Par contre, comme Mario Odyssey à la fin, si jamais vous voulez tout faire, ça prendra plus de temps. Et pareil, Mario Odyssey, c'est pareil, à la fin, vous avez la face cachée de la lune. Bah, c'est pareil, en fait, il y a des choses plus difficiles que d'autres, évidemment. Alors, on va mettre ça ici. Faire brûler ça. Hop là, merci. Alors, les petits chatons, ils sont tellement mignons. Hop là, merci. Attends, il est où? Ici. Alors. Hop là. Hop là, on a les 5. Ça, c'est fait. Et donc là, vous voyez que on a suffisamment d'astres pour pouvoir aller chercher la cloche, mais c'est pas tout parce qu'il y a d'autres choses qui se débloquent encore après. Il y a d'autres trucs qui se débloquent. Alors, il y en a un là-bas. Je l'ai pas pris. Donc, si je dis pas de bêtises, normalement là où il y a encore un truc qui s'est débloqué. C'est où? C'est ça, voilà. C'était là celui-là? Attends, non, c'est plus tard alors. D'abord que j'aille voir. Je sais qu'il y en a un autre qui se débloque. C'est phare, brillante suggestion à vous faire. Vous devriez essayer de ramasser un maximum de pièces. À chaque fois que vous en collectez 100, vous allez avoir un petit objet supplémentaire. Yes. Hop. Ça, je vous rejoins. Merci. Ah, c'est après. Allez. Ah, on a 4 là. On en a 4 ici. C'est vrai qu'on en a 4 ici. Et en fait, faut qu'on aille récupérer la 5ème là-bas. Je pensais que c'était le 5 là. Allez, c'est parti. Attends. Hop. Ok, on est bon. Allez, messieurs. Ça dégage. Hop là. Vous passerez de bonjour à votre maman. Plein de choses cachées dans tous les sens. Hop là! Ah, je l'ai raté! Alors. C'était pas là. Ok, c'est bon, je l'ai. Paf! Paf! Allez, c'est parti. Ce qui est agréable, en fait, c'est vraiment de découvrir un nouveau Mario. Moi, j'adore ça. J'ai hâte d'ailleurs de voir le prochain, en vrai. Bon, vas-y, ça va aller.
Hop là. Ça va 5 minutes là, les deux, hein? Tranquille, on vous embête pas? Oui, oui, il y a vraiment pas mal de petites choses cachées, des petits passages secrets, des trucs un peu partout. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Tu vois, regarde, ce genre de choses là, par exemple, c'est vraiment des choses que tu ne trouves pas sans aller fouiller un petit peu. Par contre, là, si je fais ça, je vais devoir retomber. Tiens, on va faire ça, hop. Vas-y. Ah, punaise. Attends. Alors là, par exemple. Là, on va se... Là, il va arriver. J'aurais dû prendre le chat pour remonter. Ah. Ok, j'en ai deux ici. Allez. Et vous entendez, moi ce que j'aime beaucoup, c'est quand même la musique qui change genre en mode vraiment métal, tu vois. Je l'ai récupéré, alors il l'a récupéré. Ouah. Ah punaise, il est parti trop tard. Enfin, il est parti trop tôt, j'ai pas pu récupérer le bloc. J'ai pas pu le choper malheureusement. Allez hop, bon. Faudra qu'on revienne quand on pourra pour faire le reste. Ok, bon. Non! Merci Jabberwock pour ton resub. Punaise! Ah, quelle angoisse! Ah, que c'est dommage de gâcher comme ça un truc. Je dois pouvoir monter avec. Essayer, mais ok. Est-ce que je récupère mon boomerang ou pas? Je pense que ça serait vrai. On va récupérer le boomerang, on sait jamais. Attends. Hop là. Salut Jérém, comment tu vas? Bon, même si on se parlait tout à l'heure sur Insta. Ok, il y a surtout celui-là à récupérer là. Avec le boomerang. Hop là, merci bien. Ça y est, t'as récupéré ton canapé? On se fait nos petites discussions comme ça, tranquille. C'est aussi ça les streams. Allez, il reste le dernier. Il y a quand même quelques petites sensations au niveau de la manette. Ouais, ouais. Totalement. Je galère avec mon canapé. Je garde plus avec mon canapé que toi dans le jeu. Ben j'espère. Bon après, moi j'ai déjà fait toute cette partie-là, parce que j'ai été resté un peu plus d'une heure chez Nintendo pour faire tout ça. Voilà, quand la bête se réveillera, je me réveillerai aussi. Donc je connais un petit peu les petits trucs, j'avais fouillé un peu partout. Donc visée explosion, trouvez un obstacle derrière, vous abritez. Yes. Allez hop.
Non, ça se sent pas du tout que j'ai déjà fait, tu vois. Pas du tout. Hop là. Oui, il y a beaucoup de choses cachées, c'est ce que je disais. Et c'est ça qui est agréable, en fait. Et là, voilà, c'est là où ça l'activait. Je me disais bien que... En fait, je vous disais tout à l'heure qu'en fait, il y a des endroits où il y a des choses qui s'activent. Et donc là, en fait, comme je vous expliquais, là, va y avoir des pièces bleues. En fait, c'est des choses qui se... En fait, vous terminez un endroit avec tous les astres félins. Et en fait, il y en a d'autres qui se débloquent après. Et en fait, voilà. Hop. Et donc, en fait, typiquement, ça va vous rajouter... Ça va vous rajouter des petites missions, comme ça. Avec d'autres astres à trouver. Et Bowser Junior qui nous aide un petit peu. Voilà, il y en a encore. On va récupérer celle-ci en premier. Non, il n'y a pas de ralentissement. Alors, chose intéressante d'ailleurs, quand je l'ai testé il y a un mois, j'avais eu un ralentissement sur la première apparition de Bowser. Je l'avais dit dans ma preview. Et là, bah du coup, on l'a pas eu. Donc ça veut dire que ça a bien été bossé un petit peu, tu vois. Ça a bien été bossé. Est-ce que je vous conseille en mode doc ou portable? Bah moi je joue beaucoup en doc parce que je joue avec vous en stream. Faudrait que je pense à finir Odyssey. Coucou Chloé. Oui bah oui. Surtout il y a beaucoup de choses. Bah après moi les Mario j'aime bien les faire en nomade. Bon là on est en stream donc je le fais en doc. Mais en nomade c'est les Mario ils sont chouettes et puis en général ils sont bien finis. Donc vraiment en nomade c'est cool. Hein. Allez, ça c'est fait. Allez, on est parti. Vous êtes prêts? Attends, il y a encore un truc là-bas. Attendez. D'abord, on va aller chercher ça. On va pouvoir faire la giga cloche à la fin de l'épisode. Je pense qu'on va faire des épisodes d'une demi-heure à peu près. Ça peut être bien. Ça fait un let's play sympa, une demi-heure par une demi-heure. Là, j'entends le... Je l'entends arriver. Ok, allez, go. Allez, c'est parti, on va le chercher. Attends. Avec la musique qui se déclenche. Ouais. Ça y est. Allez, on va y aller. On va y aller après. Laisse-moi le temps. Puisqu'elle s'active quand il fait nuit. Laisse-moi juste le temps d'aller chercher ça. Punaise. Non, punaise. Attends. Oh, punaise. Oh, 6 secondes. 5, 4. Ah non. Ah. La vache. Oh la vache! Allez, ça c'est fait! On va aller se dépêcher d'aller. Il perd un tout petit peu de vie à chaque fois que vous faites ça. Ok. Bon, allez. On va attendre qu'il revienne pour aller activer la cloche. Je voulais absolument récupérer ça. Et on est bon. Ok, dès qu'il revient, on le défonce. Parfait. Ok, il me manque un emblème ici. Mais le truc, c'est que je sais pas par contre comment débloquer certains endroits. Genre là, sous la plateforme, là-bas. Donc ça, c'est fait. Sous la plateforme qu'on a vu. Ah bah tiens, il est là-haut. Ah, il est là-haut. Attendez. Ah, mais il est là-haut, le petit coquinou. Je viens de le voir. Je l'avais pas vu. Ok, il est là-bas. Vas-y, go. Ah ouais. Ok, on attend qu'il revienne. Et demain, vous aurez l'unboxing de la Switch Mario sur la chaîne YouTube. Voilà, parce que je ne l'ai pas encore reçu, la Fnac me fait partir aujourd'hui. Donc... Bon bah tant pis. Donc vous l'aurez demain sur la chaîne, voilà. Alors non. Ok, on est bon. Allez, ça c'est fait. Parfait, on a les 5. Ça, si fait. Paf. Il y en a vraiment plein d'autres que j'ai pas. Mais c'est celui d'en dessous. Alors ça par contre, celui d'en dessous, je sais pas comment aller le récupérer. J'avoue que celui-là. Parce que c'est pas avec le chat, c'est avec un truc de Bowser, je sais pas du tout celui-là. Doit y avoir un truc plus tard. Je sais pas. Ça je sais pas encore. J'avoue que je sais pas du tout. On trouvera très certainement plus tard. Ouais, je sais pas pour l'instant, je ne sais pas.
je ne sais guère. On va fouiller un peu par là, en attendant. Ben, je me demande si justement c'est pas, on n'attend pas les attaques de Bowser, genre son jet de flamme. Je me posais cette question. Giga cloche. Je pense que c'est ça, ouais. Mais tout à l'heure, ça nous l'avait pas fait, c'est pour ça. Hop. J'ai vu la carapace. Tu vois, il y a des trucs en plus, tu vois. Ça débloque toujours plein de trucs. Hein. Viens là, toi. Viens ici. Allez, viens ici. C'est pareil, en plus. Viens ici, Luigi. Viens là. Tiens, mange. Il est où? Si, je l'ai. C'est Bowser Junior qui l'a défoncé. Allez, ça dégage. Ok, ça en fait deux. Il nous en reste encore plein ici. Et donc ça, comme je vous disais, c'est vraiment la première île. Donc il y a plein d'autres choses. Je suis pas allé là. À deux, c'est sympa. Ouais, c'est ça, donc je vois, c'est ça, regarde, enfin, je vous montre le petit move qui a été rajouté, c'est ça, là, attends, c'est ça, le petit move qui a été rajouté, c'est ça, en fait. Et c'est vraiment celui qui est dédié à Odyssée. Attends, on va aller, je vais aller récupérer ça. Ok, c'est bon, Bowser arrive. Allez, vas-y, on y va, on se dépêche. Bowser arrive, ce qui veut dire qu'on... Attends, zut, je l'ai pas vu. Bon, c'est pas grave, on récupère, il y avait une plante. Il y avait une plante. Ok, vas-y, go. Allez, vas-y. Allez, regardez, attention. Et c'est parti. Et là... Tiens, je la vois, là, il y a un autre emblème enfermé dans une cage. En fait, c'est ça qui est sympa, c'est que vous n'avez pas tout d'un coup, en fait. Tout vous est débloqué petit à petit, et vous avez toujours des nouvelles... Allez, on est prêt? C'est parti! Mario Super Saiyan! Et là, ça va chier. Je l'aime tellement. Salut! Allez, on se cache. Et vous voyez que c'est vraiment le level dans lequel vous étiez, pardon. Tiens, cadeau. Punaise. Ah! Je me suis fait dégommer. Je me suis fait dégommer. Alors, en mosaïque, c'est chelou. Oh, c'est stylé comme ça! Ah, ça, c'est stylé. Ah, j'adore, en vrai. En vrai, j'adore comme ça. C'est magnifique. Hein. C'est super sympa. Hein. Le mosaïque est sympa aussi, mais c'est un peu, tu vois. Attends. Le filtre est sympa, on est d'accord. Puis là, j'ai oublié de sauter. Qu'est-ce que je fais? Bête. J'ai oublié de sauter, c'est vrai. Mario est tout petit! Ok, normalement il en reste un, c'est ça? Ouais, attends, bouge pas. Allez, tiens, viens là, petit papa. Ok, normalement on est bon. Alors, faut pas trop conseiller de faire ça. C'est pas trop conseillé. Allez, on attend qu'il saute. Hop là, c'est bon, parfait. Attends, je veux juste essayer un truc. Ouais, tant pis. Allez, ça c'est fait. Salut. Fin. Non, je déconne.
petit arc-en-ciel. En forme de chat, toujours. Et ouverture de la suite de ce Super Mario 3D World Bowser's Fury. Avec la petite planète qui vibre. Alors, il a replongé dans le lac, mais crois-moi Mario, il en faudra plus que ça pour battre Papounet. On doit absolument lui trouver ses esprits, et pour ça il faut trouver d'autres astres félins. Une autre partie de cette matière visqueuse a disparu, alors il doit y avoir de nouvelles îles à explorer. Allez Mario, jette un oeil sur la carte, mettons-nous en route. Voilà la carte qui s'affiche petit à petit. Ambiance un peu pinceau. Vous êtes ici, et il y a plein d'autres choses. Voilà, comme ça au moins, on est bon. J'ai failli oublier de te mentionner un truc important. Si jamais tu te perds en explorant l'île, il te suffit d'appuyer là pour ouvrir la carte. Bien. Et donc c'est la fin de ce premier épisode de Super Mario 3D World et Bowser's Fury. Nous allons enchaîner avec l'épisode 2, mais comme je vous le disais, l'épisode 2 est sur la chaîne secondaire. Voilà, vous avez le lien dans le commentaire épinglé, c'est EMB TV, EMB TV, comme ça se prononce, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller y aller. Hey.